Bonsoir, salam, shalom, alaikum les gars, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Tout à l'heure, pas tout à l'heure, il y a quelques heures, j'ai reçu un email de mon email avec une menace. C'était marqué mon email, mon mot de passe et une menace en disant que si je ne paye pas 510 $ en Bitcoin, mon email sera bloqué et toute la base de données sera effacée, tout ce que j'avais à l'intérieur. Bien évidemment, j'ai changé vite fait le mot de passe et ça m'a fait flipper. Par contre, j'ai trouvé un site. J'ai téléphoné à l'hébergeur de mon email en demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cette merde-là. Moi, je croyais que leur serveur était claqué, piraté. En fait, non, leur serveur n'était pas piraté. Par contre, actuellement, ça fait déjà quelques années, il y a beaucoup de piratage de bases de données sur n'importe quel site, même des sites soi-disant protégés. Et le gars m'a conseillé de contrôler via le site monitor.firefox.com, de contrôler si mon adresse email était compromise. Ben oui. Je vous laisse sous ma vidéo le lien vers ce site de contrôle. Vous y tapez le nom de votre email, l'adresse. Faites valider OK et il vous dira si votre adresse était compromise. Là, ça me fait chier. Ça m'a fait flipper un petit peu. J'ai changé partout. Partout là où je me rappelle où j'ai laissé cette adresse email avec les mots de passe ressemblants. Voilà. Et si, admettons, vous trouvez votre adresse dans la base de données, la base des adresses compromises, mettez-le doigt là-haut. Sinon, je suis content pour vous, mettez le doigt en bas. Abonnez-vous à ma chaîne. Mais de temps en temps, je ferai des vidéos peut-être que vous intéresseront. Bonne soirée.